Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ObjectiveMoto.com. Et oui, la saison n'est pas encore finie, il a encore le temps d'essayer un petit jet. Cette fois-ci, vous avez un jet qui nous vient directement de chez Laser. C'est le Mambo Evo. Donc, ceux qui se rappellent, il y avait déjà le Mambo qui existait. Il a progressé, cette fois-ci vous avez même l'écran solaire intégré. Et la classe, non? En plus ici vous avez l'édition Café Racer. Franchement, ça a de la gueule. Bon, je vais vous le présenter un peu plus en détail. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un jet très très simple, hein, puisqu'il n'y a vraiment pas de fioritures. Vous avez bien entendu à l'arrière la patte pour tenir les lunettes si vous roulez avec les goggles, les fameuses lunettes type aviateur. Vous avez les pressions pour la petite casquette si vous voulez la mettre. Comme vous pouvez le voir, un entourage cuir ici. L'écran, eh bien, bon point pour l'écran parce que la patte est suffisamment grande pour être prise avec des gants. Malheureusement, une fois portée, ça reste assez loin du visage. Ça n'empêchera pas l'air de rentrer. Surtout si vous roulez comme avec une moto comme cette Honda CMX 500 sans aucune protection. Là, malheureusement, l'air viendra s'engouffrer à l'intérieur. Alors, autre petit bémol, on va mettre sur ce Mambo Evo. Comme vous pouvez le voir, le front est quand même assez haut. N'oubliez pas de bien fixer, de bien régler la boucle micrométrique. Sans quoi, franchement, vous allez vraiment avoir la barre en plein milieu du front. Et ça, c'est pas très, très agréable. À part ça, un casque qui est très, très léger, puisqu'on est à peine à 1100 grammes. Sur ce modèle, franchement, c'est assez sympathique. Un intérieur, comme vous pouvez le voir, qui a aussi son look assez confortable, qui est aussi démontable pour être, lavé. Et ça vaut mieux quand même, hein, parce qu'il n'y a pas d'aération. Donc le seul truc, c'est l'air qui rentre quand vous roulez. En parlant d'air qui rentre, là, c'est un petit peu dommage aussi. Le casque est quand même assez bruyant. Encore plus quand vous descendez l'écran, ce qui est parfois un petit peu bizarre, mais vous avez ici quand même une assez grosse prise au vent, ce qui fait que quand vous roulez sur les grands axes avec l'écran baissé, eh bien oui, ça prend du vent et ça fait quand même pas mal de bruit. C'est un petit peu dommage. Moi, franchement, j'ai préféré rouler avec l'écran remonté, mais avec mes belles lunettes Heli Bikers que je vous ai déjà présenté sur le site. Mais à part ça, un chouette petit casque si c'est ce que vous cherchez, un petit jet. Pas trop cher et au look plutôt sympa, eh bien pensez donc à ce Laser Mambo Evo. Vous retrouverez bien entendu toutes les caractéristiques et les photos sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.